Banks boarding house? You want something to do? Go get that suit of once over. Another year fixing your suit, huh? Well, I'm too big to dance, too old to see. What? Check me off, Quaker. Absolutely not. What's the matter, Ace? Circling Leviathan day and night boring you? No, I'm ready. I'll be all Swiss Army knife on the side. If that doesn't make for a great technician, I don't know what does. Patrol. Patrol what? Nothing has come on or off this island in 3 years. We're assigning you to a new team. Don't think of it as a demotion. Think of it as Well, Leviathan's right there. You think you can see us? Attention, crew. Vortex warning from Ibius HQ. We're not on dino duty today. Vortex hazard level 5. Tell you what. Heads, we'll go check it out. Tails, not our problem. Not our problem. Oh, fucking blasted! Chief? Sandy, out of curiosity, where is that vortex? There. We're too heavy. Suit drop now! No time! Get that thing out of here! Move your ass. Bonjour, je suis Léviathan, l'IA qui vous guidera. Bienvenue sur l'île Liquitoa. Sous ma surveillance constante, Ibius exécute sur cette île ses recherches et expériences les plus importantes. Super nouvelle! Vous avez reçu une autorisation exceptionnelle à participer au programme de recherche et développement d'Ibius. Je vous permettrai de survivre si vous démontrez des capacités exceptionnelles au combat. Sachez que votre participation est obligatoire et que vous ne pouvez pas renoncer. Ibius vous emploie, vous devez donc suivre mes ordres. Initialisation de l'intégration dimensionnelle.
recherche, exocombattant. Transfert vers de nouvelles simulations de guerre. Bienvenue dans mon laboratoire de recherche. Bonjour à toutes et à tous, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Exoprimal sur PlayStation 5, édité et développé par Capcom, sorti officiel le 14 juillet 2023, et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Pas de note sur 20 vu que le jeu est reçu un petit peu en avance, les sites communautaires n'ont eu le temps de faire une note sur ce jeu. Qu'est-ce que Exoprimal? Comme vous pouvez le voir, différents exos vous sont proposés. Imaginez un petit peu des armures qui nous rappelleraient étroitement le style de jeu Warframe, avec une classe de DPS, de tank et de healing. Exoprimal se veut être un jeu PvEVP, c'est-à-dire que vous allez devoir affronter un ordinateur, qui est ici incarné par une fracture temporelle qui nous amène à une invasion de dinosaures dans une ville futuriste. Et vous allez affronter 5 autres joueurs qui, eux, seront sur une map adjacente. Vous voyez là comme une forme géométrique prismatique. Où est-ce qu'il va falloir, avec vos 4 autres compagnons, aller plus vite que les 5 autres joueurs qui se battent pour le même objectif que vous, c'est-à-dire amener un payload, une sorte de chariot, d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Pour ce faire, vous allez pouvoir les handicaper en invoquant des ennemis que vous allez pouvoir prendre contrôle pour vraiment les retarder dans leur progression. Mais vous allez voir, de toute façon, rien de mieux qu'une séance de gameplay pour vous présenter l'envers du décor. Exocombattant, bienvenue dans la simulation de guerre. Je suis l'intelligence artificielle avancée Léviathan. Attention, j'exige que tous les exocombattants participent au test de combat. Il s'agit d'un scénario compétitif à 2 équipes. Les membres de l'autre équipe sont vos ennemis. La première équipe à atteindre tous les objectifs attribués remporte la victoire. Pour récompenser l'équipe en tête de lice, elle aura le privilège de continuer à vivre. Les êtres humains livreraient de meilleures performances en compétition. Ayant joué à la bêta presse, bêta fermée et bêta publique du jeu, j'avais grandement apprécié l'armure du healing. Je vais voir si je peux la jouer, mais un allié l'a également prise. On va voir comment il réagit s'il voit que je suis dans le même exo que lui. Peut apporter son soutien depuis les airs et infliger un debuff aux ennemis. Ah, effectivement, il a pas l'air très content, il me colle. On verra. S'il change pas d'armure, je reviendrai avec celle avec laquelle j'ai pingé pour faire la partie. Je vous propose dans la simulation de guerre sont exceptionnellement féroces. Attention, la mort est virtuellement assurée. De toute façon, il a pas l'air de vouloir changer, donc je vais reprendre une classe de DPS vu qu'on a actuellement déjà un tank avec nous, un autre DPS, un healer. Donc bon voilà, il faut avoir 3 armures DPS, une healing pour le soin, l'autre pour tanker. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat. Et donc notre but est de suivre Léviathan qui nous amène d'un point A à un point B en faisant différentes missions d'extermination. Le jeu se veut quand même assez dynamique, ça pète un petit peu dans tous les sens, mais le fait que ce soit un TPS ajoutera un angle plutôt obtus
ce qui nous permet un petit peu de voir tout ce qui se passe autour de nous, surveiller aussi nos alliés. Les barres de vie sont affichées en bas à gauche, munies d'une énième barre qui matérialise notre armure. Ça, ce sera plutôt pour la classe de healing et pour nous-mêmes si on doit revenir en arrière parce qu'on se fait démonter trop rapidement. Vous accomplissez vos objectifs plus vite que l'équipe adverse. Nous voyons donc l'écho en direct de l'équipe adverse qui marche à côté de nous, matérialisé par cette espèce d'hologramme rouge. Et vous le voyez, en haut de l'écran, les points, les checkpoints sont à faire le plus rapidement possible pour arriver à l'objectif final. En fonction de tel ou tel exo, vous avez donc différentes capacités. Moi, comme vous pouvez le voir, c'est un lance-grenade, un gros rayon. Certains ont donc un gros bouclier, ils peuvent lancer un sort d'agressivité pour générer toute l'inimité des adversaires. Oh, je l'ai très bien placé celle-là. De toute façon, quand vous voyez le numéro, enfin les dégâts faits et qui sont vraiment multiples, vous voyez que votre attaque a vraiment touché la totalité des adversaires en présent. Passons à la mission suivante. Initialisation de la mission élimination. Comme je vous ai dit, voilà, ça s'enchaîne. Exoprimal n'est pas un jeu où est-ce que vous pouvez faire une pause une fois que vous avez lancé votre partie. Il va falloir rester clairement aux aguets. Invocation de Raptor. Là, on a un dinosaure un petit peu plus violent à se faire. C'est là, en fait, que tout se joue. Est-ce que nous avons un DPS adéquat? Est-ce que nous avons de bons teammates? Est-ce que les gens ont un bon aim pour pouvoir tout mettre dans le dinosaure et le flinguer plus vite que l'équipe adverse? C'est dans ce genre de situation que l'on voit qu'une équipe prend l'ascendant sur l'autre. On a pris un peu de retard. J'espère que on va pouvoir le rattraper. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat. Après cette partie, bien entendu, je ferai un petit détour par le menu et la personnalisation. Parce que si je suis amené à uniquement jouer le personnage de base, je vais quand même aussi vous montrer les spécificités des autres classes. Je ne vous les montrerai pas toutes pour limiter le spoil et vous donner peut-être l'envie de vous procurer ce jeu. Mais... après, voilà, ce serait dommage que je ne puisse pas vous montrer, par exemple, ma classe préférée, vous le savez. Pour ceux qui ont l'habitude de côtoyer mes tests, quand il y a un poste de healer, je préfère le jouer. Plus vous avancez dans les checkpoints, plus ce qui vous sera demandé de faire va se diversifier. Et les opportunités seront quand même assez nombreuses. En fonction de votre cohésion d'équipe, vous allez peut-être pouvoir faire un score plus important que l'équipe adverse, débloquer un bonus plus rapidement qu'eux, et peut-être pouvoir prendre un ascendant, faire une remontada, qui sait. Quand vous jouez un DPS, comme celui que je joue, moi je vous conseille personnellement de prendre un bon angle sur la map qui vous permet de voir constamment le spawn des adversaires. Et vous tirez clairement dans le tas, ce sera le plus rapide à faire. Oh là 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 là, c'est satisfaisant. On n'est clairement pas quand même sur le jeu de l'année, bien entendu, mais ça ajoute un certain vent de fraîcheur. Des jeux PvE-VP, on n'en a pas souvent, surtout sur console. Et même si je pense qu'il ne trouvera pas un public majeur et qu'il ne perdurera pas dans le temps, Exoprimal est un jeu quand même qui est plus que le bienvenu pour un jeu d'été. Comme vous le savez, dans l'univers vidéoludique, les sorties de jeux vidéo en été sont peu nombreuses. Et c'est plutôt sympa quand on a trouvé un jeu sur lequel passer ses vacances. En tout cas, le chara-design des armures sont foutument bien faites. Si vous aimez Warframe, ou même que le jeu Anthem ait pu vous plaire, malgré le bide qu'il a fait, et à son âme, c'était un jeu que j'appréciais énormément. Et bien, si vous aimez tout ce qui est un peu mecha, forcément, vous allez être ravis. Vous
Le sound design également pousse clairement à l'immersion. Vous me direz, dans un jeu de shoot, si le son de vos tirs n'est pas enivrant, bien, il y a peu de chances que l'on reste là à apprécier l'envers de ce que nous propose le jeu. La première étape est donc terminée. On se fait téléporter et on va accéder à la deuxième phase du jeu. Préparez-vous pour le voyage. La dernière mission sera escort. En fonction du scoring, de comment on avançait avec notre équipe, eh bien, nous allions avoir plus ou moins d'avantages par rapport à l'équipe adverse. Le jeu essaye de tirer parti de celui qui a eu le plus de difficultés à progresser pour ajouter des bonus et un malus à l'équipe. Le jeu se veut quand même d'une justesse sans faille jusqu'à l'épreuve finale qui est le fait d'amener le payload du point A au point B. Ce procédé de bonus-malus pour l'équipe la plus défavorisée me rappelle étrangement un jeu qui était jouable en 5 joueurs, 4 contre 1, qui était Evolve. A chaque fois que le monstre était trop faible par rapport aux 4 autres joueurs, il était avantagé dans la manche suivante, et inversement si c'était les chasseurs qui étaient moins forts que le monstre. Donc c'est aussi ce principe d'équité en fait dans le jeu PvE-VP qui est plus que bienvenu en fait en soi. Le système de payload, de toute façon, c'est bête et méchant en soi. Vous le voyez en haut de l'écran, il y a un score qui monte. Une fois que l'on va arriver à 100, eh bien, ça veut dire qu'on sera arrivé à la destination finale et que l'on aura gagné. Ça y est, opportunité de prendre l'avantage. On peut invoquer le Raptor et je vais le contrôler. Donc là, on est clairement plus puissant. En 1v1, on les défonce, mais bon. Là, je vais foncer dans le tas, et peu importe que je me fasse buter, le moins rapidement possible, bien sûr. Ah, ça a porté ses fruits. On a pris un petit avantage, maintenant tâchons de le conserver. Ce qui veut dire que l'équipe adverse n'a toujours pas envoyé le T-Rex chez nous, donc il va falloir faire mieux. Oh, on l'a buté très très rapidement le leurre. Invocation de Pteranodon. On se fait invade là de petits raptors là. Le plus chiant à la manette quand même, ça reste ceux qui volent dans les airs. Il me semble même pas qu'on ait un aimlock en plus. Aïe. Qui c'est qui m'a shooté? Ah bon, par exemple, ceux dans les airs, voilà, ils sont là. Bien entendu, restez près de l'objectif pour qu'il puisse avancer plus rapidement. Si vous êtes plus nombreux, il progresse plus vite. Et vous voyez, après sur la minimap en haut à gauche, là où est-ce qu'il y a le plus de points rouges, c'est l'afflux d'ennemis constant. C'est sympa, dans les étroits corridors au moins on peut tirer. Oh. Là il ramasse. Premier kill, ça y est. De toute façon on rencontre l'équipe adverse à la fin. Mais on est un petit peu plus en avance qu'eux, leur payload est tout en bas de la rue alors que nous il est vraiment à côté. Donc là après, mine de rien, si vous n'êtes pas très bon en termes de shoot, je vous conseille une classe plutôt support, soutien avec le tank ou le heal. Si vous n'êtes pas doué pour du shoot, ce sera plus avantageux pour vous d'essayer de maintenir votre équipe en vie en faisant gagner un petit peu de temps. Le cube de données a atteint l'objectif. Lancement des préparations pour le transfert aérien du cube de données. Mais là c'est vrai que le jeu peut se paraître un petit peu injuste, même l'équipe la plus affaiblie qui est en retard par rapport aux autres peut retourner la situation en flinguant toute l'équipe adverse à la fin.
transfert du cube de données, 60% permis. Le transfert aérien débutera prochainement. Oh là là, c'est très juste. Faut les dégager. Faut qu'ils quittent notre zone. Oh là, parfait. 100 à 99. Oh, c'était très chaud. Très, très time. Fantastique. Au moins, ça vous montre la dynamique du jeu et à quel point il peut y avoir une tension palpable et conséquente et continue. Chose promise, chose due, un petit détour par le stand de tir pour vous montrer les différents exos que vous pouvez avoir. Vous voyez, là c'est un sniper que vous allez pouvoir débloquer à la sueur de votre front ou avec de l'argent, parce qu'il y aura aussi certains exos débloquables en early access si vous allongez les bifetons. Au moins ça vous montre les différentes spécificités du gel pour pouvoir assurer votre tir. Et un tir bien concentré avec le bolt de l'exo en question. Je vous ai dit assaut, tank, heal, on va faire un de chaque. Ça c'est généralement le temps que je prenais pendant la bêta pour essayer de repousser en endgame. Un lock sur les adversaires, dès qu'ils sont marqués en rouge, vous relâchez, et ce sont des micro-roquettes qui les balancent et qui les électrocutent, qui les rendent dans une incapacité temporaire. Et un gros minigun dont le seul moyen de recharger est juste de faire refroidir la batterie parce que les munitions sont illimitées. Vous pouvez également aussi avoir un dôme de shield, rien ne le traverse, et foncer sur l'adversaire. Ce qui en soi quand même est plutôt sympa. La vie dégringole assez vite quand vous êtes très proche de votre adversaire. Et enfin pour terminer bien sûr, mon exo préféré, celui que j'ai joué pendant toutes les bêtas. Celui qui lui healing et en contrôle de zone. Par exemple, ce sort là, bon là après j'ai mal fait de l'utiliser chez mes alliés, mais c'est un vortex en fait qui attire tout le monde en son centre. Vu que la plupart de mes tirs, en fait, font une onde de choc, qui font des dégâts pour ceux qui la prennent, et du heal pour ceux qui sont dedans. Donc en fait, c'est à double tranchant, et c'est plutôt sympa. Vous avez une sensation de vol constante, un peu comme le Storm dans Anthem. A vous après de mettre le gadget que vous voulez hein, pour la touche L1. Pour la touche, triangle. Je vais attendre que les deux soient là pour vous montrer le vortex. Non, là voilà. Et ensuite au milieu, voilà, tout le monde peut ensuite les flinguer beaucoup plus rapidement. Ce qui vous permet vraiment de voir en fait que le perso peut être quand même assez utilitaire, même si c'est un healer, il est obstructeur et contrôleur de zone. Et c'est pas négligeable. Et puis son heal est quand même très très puissant, vous me direz, c'est un perso qui est fait pour. Enfin voilà. Je vais donc vous laisser sur ces images, en espérant donc que ce test gameplay découverte de Exoprimal sur PlayStation 5 vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt, on se retrouve très vite pour un prochain test, il s'agira sûrement de Remnant 2, le 1 dont j'avais grandement apprécié, même un let's play en mode un peu speedrun que j'avais fait il y a quelques années, donc le 2 pour moi c'est obligatoire, il faut que je le fasse. On se retrouve donc fin du mois de juillet pour le test de Remnant 2. Portez-vous bien tout le monde et à ciao !